cette semaine dans les salles, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l'un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l'histoire. Ce biopic biblique raconte l'histoire de Marie, une jeune femme en quête d'un nouveau chemin de vie. Il n'y a aucun démon ici. Marie de Magdala. Elle accomplira la volonté de Dieu. Pourquoi ne doit-elle pas le suivre? On va nous le reprocher. Sommes-nous si différentes des hommes qu'il faut nous apprendre d'autres choses? Red Sparrow, une jeune ballerine dont la carrière est brisée net après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un de leurs meilleurs agents. On m'a demandé d'attirer un homme dans un hôtel. Il disait que c'était un ennemi de l'État. Retire ta robe. Et en échange, ma mère aurait eu les soins dont elle avait besoin. Au final, ils l'ont égorgé. Il ne devait y avoir aucun témoin. Pierre Lapin. Adaptation des célèbres livres jeunesse Pierre Lapin et Béatrix Potter. Qui portait une veste bleue. Mais pas de pantalon. Entrez les amis, le jardin est à nous. Surtout, faites-vous plaisir. Attends, c'est pas toi qui voulais me manger? Montre-moi un peu tes dents. Allez, fais-moi un petit... C'était toi. Ah, j'en étais sûr. Comment tu vas? C'est cool de t'avoir revu. J'ai pas de slip. Ni juge ni soumise. Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ni juge ni soumise est le premier long-métrage striptease émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans, les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruvez au cours d'enquêtes criminelles, d'auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. C'est connu depuis toujours, ça fait des siècles qu'on sait ça. On en apprend tous les jours. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Vous connaissez maintenant le programme. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les dernières sorties cinéma. Et d'ici là, bonne séance !